Oh, je vous avais pas vu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On sort de ce qu'on fait d'habitude et on va jouer à un jeu de société, et pas n'importe lequel. Un qui est, mais version sneakers. Bienvenue dans le qui est édition sneakers. Mon cerveau, mes mains et moi avons retravaillé toutes les cartes du jeu de société afin de rendre celui-ci encore plus intéressant. Les règles du jeu sont très simples. Devinez par des questions la carte, donc la sneakers, choisie par son adversaire. Le premier à remporter deux manches remporte la partie complète et la vidéo. Et pour pimenter tout ça, on s'est inspiré de la vidéo de Raska, qui est très cool et en description. Et le perdant de la manche devra donner une opinion impopulaire sur la sneakers. Vous savez, c'est les mecs qui font les vidéos sur TikTok pour moi, et souvent la vie est désastreuse. Ah, et dernière chose, malheureusement mon invité a un trop gros bras parce qu'il va à la salle, et du coup on voit pas son plateau de jeu. Vous ne pourrez pas voir les cartes qu'il va baisser au fur et à mesure, donc vous allez jouer avec moi, n'hésitez pas à passer dans les commentaires pour me dire quel paire vous pensez qu'il m'a choisi tout au long de celle-ci. Allez, trêve de blabla, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Monsieur Greska, bonjour. C'est bon, j'ai choisi ma carte. Bah, est-ce que ma paire de baskets a des lacets? Oui. Et elle a des lacets. C'est bon. Est-ce que ma paire de baskets a du blanc dessus? Oui. Il y a du blanc? Ouais, il y a du blanc. Donc s'il y a du blanc, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève. Oh, ma question de fou! Oh là là, je t'ai arraché. Et ça j'enlève. Vas-y, à toi. Est-ce que ma paire de baskets a du vert dessus? Oui. Ah. Non. Ah frérot. Aïe aïe aïe. Ah frérot. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Oh ça la dégringolade. Oh les problèmes. Arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Ça va frérot? Je vais devoir dire quoi moi encore à la caméra là? La paire de sneakers que tu as choisi, elle est ballsy. Elle quoi? Elle est ballsy. En gros, non, c'est ma question genre. What? C'est en rapport avec les mangas? Pas du tout. Oh non. Pas du tout. Alors tu peux enlever la selle, tu peux, voilà. Moi je vais poser la même question. Ma paire de baskets a un rapport avec un manga? Non. Il t'en reste deux? Bah oui. Et merci pour cette question. À la prochaine manche, j'ai gagné. Ah bah je peux faire un guess avant toi alors. Si je fais le guess, c'est que je rate, c'est j'ai perdu. Ouais. Est-ce que c'est New Balance? Oui. Ok. J'aurais dû m'en douter frère. Je vais faire une dernière question. T'es sûr? Parce que moi, si je fais mon guess, j'ai une chance sur 4. Hein. En fait, c'est simple. Je pourrais soit te poser la question, est-ce qu'elle a une référence avec un super-héros, ou est-ce que c'est une paire avec une référence à un pays? Soit je te fais ça, soit je fais plouf plouf et je te dis plouf plouf. Ça sera toi que je vais choisir au bout de 3. 1, 2, 3. C'est la AJ4 Superman. Je vais au confessionnal. Pour moi, pas pour les autres, mais pour moi, la Travis Scott Full Black est mieux que la Reverse Mocha. J'anticipe les commentaires, je suis mort. Je me dis, je suis en train de me faire défoncer dans les commentaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre partie avec les mêmes paires. Okay. Et après, on fait une dernière partie, même si t'as gagné deux fois d'affilée, t'as deux points. On va faire un autre set de paires de chaussures et comme ça change tout. Est-ce que le modèle de chaussures que tu as choisi a déjà été à mes pieds? Le modèle, oui. Donc ça, j'ai pas eu. Le modèle, oui. Oh, j'étais... Oh, je suis trop heureux. Ça, je l'ai eu, mais tu le sais peut-être pas. J'ai pas. On entend, moi, ta grande... Ok. Est-ce que la paire que tu as choisie fait partie d'une des paires de ma collection? Non. Non? Tu vas tout enlever, frère. T'es abusé, gros. J'aurais jamais dû choisir ça. Ça, j'ai. C'est le mec qui se la raconte. Ça, j'ai aussi. Je vais reprendre ta question parce qu'elle était sympa. Est-ce que la paire de chaussures que tu as choisie pour moi a des lacets? Oui. Est-ce que la paire que tu as choisie pour moi est dans les tons beige, blanc cassé, tu vois, tout ce délire-là? Non. Non? Ah, ça compte, hein. Vas-y. La marque que tu as choisie pour moi est née à Boston. Ah, c'est limite une question interne. Ok, je change. Non, vas-y. Non, vas-y, je te dis. Parce que c'est non. C'est oui. Ah non, c'est non, excuse-moi. Ouais. Ça va pas trop impacter le truc, ça va. Est-ce que la paire que tu as choisie pour moi est une paire avec une technicité, si je puis dire, ou on va dire... Non. Il me laisse pas finir. Non. Est-ce que c'est non. Confort? Une technicité confort, qui apporte du confort. Non. Donc c'est pas confortable, ce n'est pas con... Oh. Non, c'est bon, t'inquiète, c'était celle-là. Moi, je dis que ça, c'est confort...
et tous les autres, c'est pas forcément très confort. Oh, je crois savoir c'est quoi. Je vais faire un coup de poker après. Est-ce que la paire que tu as choisie pour moi est mise énormément à New York ? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Est-ce que tu as choisi pour moi la AJ11 Concorde ? Non, pas grave, on continue. On continue, tira au confessionnal. Hein. Vas-y, tira au confessionnal. Je t'ai posé la question si j'avais la paire à la maison. La Travis, j'ai la basse, j'ai pas la haute. Et la 380 Mist, je l'ai eu un jour pendant le confinement et je l'ai reposée. Et c'est la Yeezy ? Non. Je l'ai pas, moi, celle-là. Je l'ai pas. La Travis, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai ouais, pas. Ouais, je sais que tu l'as pas. Mais tu m'as. Ouais. Allez. Toi, là, tiens là. Je sais que t'as que la basse. On a fait la vidéo de ta collection il y a pas longtemps. J'ai envie de t'en parler. Hop, au confessionnal. Pour moi, les refs, les dunks, c'est vraiment de la merde. Je déteste. C'est de la merde. En tout cas, dernière manche, ça va être la folie. Si vous kiffez, un petit like, un commentaire et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait ce genre de contenu-là que j'ai envie de faire beaucoup sur la chaîne. On va directement avec la troisième manche. Troisième et dernière manche, alors tu verras au montage. C'est une dinguerie ? En fait, c'est un truc que je pense que tout le monde est chaud sur ce truc-là. Pour moi, c'est vraiment de la merde. On a changé complètement de set, vous le voyez avec la petite caméra là. Je pense qu'il a pris un truc genre que j'ai moi à la maison. Il va refaire la même technique. Shifumi. Vas-y. Tu commences ou je commence ? Toi qui choisis. Ah, c'est moi qui commence. Vas-y. Je vais faire un petit classique. Est-ce que ma paire est dans les tons ? Parce que sur ce set-là, on le voit beaucoup. Dans les tons beige, blanc cassé. Oui. Oh là là. Non mais c'est trop frère. Non mais frère. Ok. Est-ce que ma paire est dans les couleurs sombres ? Non. Je suis dans la merde. Est-ce que ma paire a des lacets ? Oui. Hop, la petite foam runner. Ma paire de chaussures est un bootleg. Non. Au revoir la Air Heat. Est-ce que ma paire... Mais je suis trop nul. Non, mais je vais perdre là. Et tout simplement une collaboration. Oui. Aïe, petite pause dans la vidéo parce que je viens de faire une erreur. Je vous amène direct à la fin, mais je crois que je vais aller au confessionnal encore une fois. Est-ce que la paire que tu as choisie pour moi est la Mizuno en collaboration avec Shinzo ? Non. Mais gros, j'ai dit une grosse connerie. Ah ouais ? Sur la question collaboration, je crois que je t'ai dit de la merde. Mais c'est pas une collaboration ? Ah, vas-y, au confessionnal, on fait une quatrième partie, mais tu vas te confesser là. Ah gros. Allez, on confesse. Pour moi, après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Bon, les refs, pendant qu'il est parti se confesser, il y a une chose qu'il faut faire déjà, c'est s'abonner à ma chaîne YouTube, les refs. Et oui, pendant qu'il est au confessionnal, je vais en profiter. Il faut absolument s'abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez le divertissement, la sneakers, il faut s'abonner à ma chaîne. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Greska, bien évidemment, Greska Math, c'est la même chose. Donc, on s'abonne chez Greska et on s'abonne chez Math. Mais pour moi, la 2002R, elle est pas assez de mode. Est-ce que ma paire est une paire issue d'une collaboration ? Non. Mais vas-y, frère. Donc j'enlève toutes les collaborations. Mais c'est trop facile cette question. Non, elle est pas facile. Mais si, frère. Ben non, là ça va pas en enlever beaucoup, hein, crois pas. Vas-y, continue, vas-y, encore. Ouais. Mm-hmm. C'est bon. T'as enlevé la moitié, quoi. Ouais. Est-ce que la paire que tu as choisie est sortie en 2022 ? Elle est nulle ma question. Elle est nulle à chier, frère, je sais même pas les réponses. Non. Ça, je sais pas. Tu poses des questions, je sais même pas. Ça. Sorti en 2022, ça est sorti en 2022, Adifo est sorti cette année, je pense que c'est bon. Est-ce que la paire que j'ai choisie a du rouge sur elle ? Non. Est-ce que la paire que tu as choisie pour moi est sombre ? Oui, ma paire est sombre. Elle est bresson. Elle est bresson. T'es ma mec. Est-ce que la paire que tu as choisie est sombre ? Oui. Mais non, mais frère, tu reprends mes questions et t'es trop fort, frère. C'est abusé. Bro. Mais attends, je suis trop bête. Vous savez pourquoi ? T'es sûr de toi là ? Est-ce que si je mettais la paire, on pourrait voir mes malléoles ? Oui. Du coup là, toi t'as la mienne et moi j'ai la tienne. Mais c'est moi qui peux guess. Voir. Si t'as raté. Est-ce que c'est la Adidas Adifoam que tu as choisi pour moi ? Et moi, est-ce que c'est la Yeezy Boot que tu as choisi pour moi ? Non. Non plus. Mais trop néfant. Est-ce qu'on peut voir la malléole ? Ah oui, oui, on peut voir la malléole. Alors attends. On peut voir la malléole, désolé. Attends. On peut voir la malléole. Tu vas aller au confessionnal. Parce qu'en fait, j'ai répondu non en mode on peut la voir, bref, vous avez compris. Mais et pourquoi du coup, attends, moi c'est pas la Adifoam, frérot ? Mais c'est pas ça ! Bah ouais, mais gros, tu réponds mal aux questions. Mais wesh, mais l'autre il est culotté en plus. Je relève tout et je rebaisse les trucs. D'accord. Alors, c'est bon, je l'ai. Ah bah c'est super. Bah c'est bon, mais joue. Pose la question, t'inquiète, non, je vais rien dire. Ah bah gros, détective Matt. Est-ce que ma paire est noire ? Oui.
Est-ce que moi, ma paire, c'est la NB 1906 Protection Pack? Ouais. Yes. En fait, tu sais pourquoi? Que tu l'as mise dans une collab. Je l'ai mise dans une collab, alors que Protection Pack, c'est pas une collab, mais je sais pas. C'était le but, parce que tout le monde pense que c'est une collab et dans ma tête. Ah non, tu sais pourquoi je l'ai baissé, frérot? Je m'en rappelle. Est-ce qu'il y a du rouge dessus? Et c'est pour ça que je l'ai baissé, parce que il y a du rouge dessus. Ah, il y a du rouge? Ouais, regarde. Il y a du rouge ici. Ah, ouais. C'est pour ça que je l'ai baissé. Okay. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Est-ce que vu qu'on s'est tous les deux trompés, on doit mettre tous les deux une popular opinion, mais tous les deux on y croit? C'est-à-dire? C'est-à-dire? En mode, tous les deux on s'est trompés. On a fait tous les deux un guess. Ouais. Bah, tous les deux on va au confessionnal et on dit un truc qu'on tous les deux on pense. Vas-y, ça me va. Confessionnal. Les refs, on est tous les deux là dans le confessionnal. Et. Pour c'est... nous, après ouais. Vous dites ce que vous voulez, mais pour nous, Adidas, sans Yeezy, ça a pas sa place. Dans le game de la sneakers. Voilà, ça sert à rien. C'est de la merde. Voilà. Vive New Balance. Bon, Matt, merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli parce que là, c'était... je suis pas chez moi. C'était incroyable. Franchement, c'était très, très... Moi, j'aime énormément ce concept. Merci de mettre ce genre de concept dans la niche sneakers. Ça fait très plaisir, frérot. Ça fait très plaisir. Et merci pour l'invitation, pour ce premier épisode. Je suis très content. Et si moi, je t'en parle, faut bien que je t'invite quand je te dis que je t'invite. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à un like, vous abonner et à me dire en commentaire quel jeu vous voudriez. Si, genre, si vous avez kiffé ce genre de jeu-là, faut me le dire parce que c'est vers ce genre de choses-là que moi, je veux axer la chaîne. Et du coup, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao.